Eh bien, salut tout le monde, c'est Blon, on se retrouve pour Assassin's Creed Syndicate. Et donc, on va poursuivre l'aventure, mais avant de poursuivre l'aventure, excusez-moi, je me suis trompé de touche, je vais vous montrer. Voilà, alors j'ai fait tout ça, et j'ai fait toute la Tamise aussi, faut savoir que c'est une zone à faire. Et là, bah, j'ai fait les points, histoire de voir ce qu'il y a en fait. Vous savez, les points de vue, mais je peux pas les faire parce que je suis trop bas level, je suis que niveau 5. Et ici, c'est une zone 6, la 8 et la 9. Donc voilà, je suis bloqué, donc faut que je fasse les quêtes principales et les autres quêtes, hein, je suppose. Alors nous, ce qu'on va faire, hein, du coup, il va être très rare qu'on fasse 100 vidéos, ce genre de truc. Hein, je les ai fait la première fois pour vous montrer, c'est tout le temps la même chose après. Donc je vais pas m'amuser à les faire en vidéo parce que ça prend du temps pour rien. Par contre, il est possible que si on manque de level qu'on fasse des trucs comme ça. Parce que vous voyez, ça augmente le niveau, ça fait gagner des sous et des trucs. Et je pense que ça peut être sympa à regarder parce qu'il y a une histoire derrière. Tandis que ces trucs-là, il n'y a pas vraiment d'histoire derrière en fait. Donc voilà, vous savez tout. Eh bien nous, on va y aller. Hein. Voilà. Allez! Allez! Du coup, j'ai le mauvais personnage, je crois. Bon, ça va changer tout seul, de toute façon. Alors, on a un coffre ici qu'on entend au loin. Si tu veux bien y aller, merci. Voilà! Ah, nickel. Alors, ça, il me faut, hein, il me faut tout un tas de trucs. Sinon, ça va pas le faire. Nous, on va monter directement ici. Voilà, et on va la jouer. Donc on va rentrer dans la peau de Jacob. Disparition. Alors ce plan-là, je trouve qu'il sert strictement à rien. Mais bon. Restez aux aguets, les gars. Quelqu'un s'en prend à nos petites affaires. La distillerie risque d'être visée. Voilà qui complique les choses. Allez, je vois ça. Donc, ouvrir la porte de la distillerie. Donc, pour ce faire, on va devoir tuer tout le monde. Je pense. Donc, c'est parti. Ça sent mal. Ni vu ni connu. Ah, qu'est-ce que je fais? Je tue elle, je tue lui. Je tue lui. Ah, elle. Je vais voir par la tuer. Bon, bien le bonjour. Je vais t'écorcher comme un fou. Je comme un diable. Hop. C'est pas grave. Allez-y tous ensemble. Allez, bim. Oh là là. Et voilà les loulous. C'est comme ça qu'on fait. Ah bah carrément, tu m'étonnes. Je me suis bien calmé. Alors. Et pourquoi? Je cherche pas à comprendre. Bon. Bref. On va ouvrir la porte du coup. Ah pardon. Excusez-moi. Vous ne devriez pas effrayer ainsi les respectables gentlemen, jeune homme. Je ne savais pas que fouiner était une activité respectable. Fouiner? Monsieur, je vous assure. Soyez vigilants. Vite, à l'intérieur. Il s'en est fallu de peu. Ah, jeune homme, vous m'avez flanqué à la frousse. J'ai bien cru que vous étiez l'un d'eux. Mais je comprends maintenant pourquoi vous êtes ici. Pour la même raison que moi, j'imagine.
J'imagine. Je pense avoir trouvé quelque chose, jeune homme. Ah! Qu'as-tu trouvé? Parce que moi, je vois plein de gens partout, là. Alors bon... Une mécanique impressionnante, ne trouvez-vous pas? Ah, tout à fait. J'ai déjà vu mieux. Ah bon? Ok. On a déjà vu mieux. Alors, que fait notre allié? Datura Stramonium, ou herbe au fou, comme on l'appelle couramment. Ce sirop en contiendrait? Et de l'opium, diantre. Diantre. C'est honteux. Absolument ignoble. Attends, je vais nettoyer, hein. Tu m'en veux pas? J'aime pas trop les gens qui traînent ici. Tu tous les occupants de la l'aide du gaz. Ah ouais? J'en sais rien. Vu les ah, ça doit être marrant. Attendez. Faut que j'essaye. Personne me voit. Je vais saboter. Du coup, je tuerai pas tout le monde. C'est bon, c'était chiant d'attendre. Alors, on a une personne ici. Hop. Excusez-moi, mademoiselle. Ok. Bon. Bien, je pense que je peux saboter ça avec ceci. Alors, où c'est qu'on peut aller? Là-haut, vous croyez qu'on peut y aller? Ah oui. Donc, faudrait monter encore. Là, il y a des escaliers, mais il y a un mec qui arrive. Oh, qui arrive. Tout est relatif, hein. Si je me mets là, il m'a pas vu. Ah, va le siffler. Quelqu'un cherche à me faire tourner chèvre. À te faire tourner chèvre. Ah. On va saboter ça. Ok. Donc du coup, il faut que j'aille de l'autre côté. Il faudra y aller tranquillou. Celui-là, il a pas le double assassinat. S'il faut. Hi. Et vous faites quoi? Bien que faire. Là, bien devoir redescendre. Je vais t'arracher les bras. Bon bah tant pis. Je vais t'arracher les boyaux. Hein? On va y aller comme ça. Désolé mon brave, mais t'as cherché la merde. Ah, le coffre est en dessous. Oh zut. C'est pas grave. On sabote.
on ne peut plus y aller en dessous de toute façon. Donc c'est mal barré. Alors, on va monter du coup. Ok. Donc vous, vous passez tranquillou par là, hein. Et moi je... Et moi je glande. Tout à fait. Allez faire un tour. Allez, si j'y suis. Hein. Chacun se merde. Bien joué, mon garçon. Quelle audace, Charles Darwin. Enchanté de faire votre connaissance. Jacob Fry, tout le plaisir est pour moi. Pendant que vous semiez le chaos, j'ai trouvé ceci. Il y est écrit qu'un échantillon de chaque lot est envoyé à l'asile de Lambeth. Je me demande si c'est l'heure des visites. Pas de précipitation, monsieur Fry. Le personnel est fort nombreux à Lambeth. Il serait regrettable d'attirer l'attention. Mais alors, où serait le plaisir ? Tout problème ne peut être résolu à grand renfort d'explosion. Parfois, la discrétion est plus appropriée. Il se fait tard. Je vous retrouverai à l'asile pour y poursuivre nos investigations. À l'asile, carrément. Alors, qu'on a gagné des ceintures. Enfin, une ceinture, tout du moins. C'est parfait. Alors, la suite. Où est la suite? Ah. Bien, on va aller là. Alors, pour aller là, c'est quoi le plus proche? C'est le train, mais je vais encore me... On va pas prendre le train. Parce que... Vous savez bien que quand je descends du train, ça se passe très mal. Donc, si on pouvait éviter... Hein. Alors, pourquoi il est dans cette tenue-là qu'il était avant? C'est pour augmenter donc de 10% ses points américains. Au niveau des dégâts, je pense que c'est plus opti comme ça. Du coup, c'est marrant parce que on a les quêtes avec lui, on a les quêtes avec avec l'autre. C'est marrant. Un petit saut de la foi. Bon, alors on va ici, on a dit. Voilà. Bon, c'est pas très loin, on va pas voler. On va pas voler un truc, ça se fait pas. Hein. Pour si peu de mètres, hein. Ça serait pas cool. Monsieur Owen, vous êtes vraiment l'être le plus exécrable. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai rien à voir avec cet article anonyme, monsieur. C'est un mensonge. Et vous le savez. Par au diable, c'est Bill Vesey. Bill Vesey, c'est mon nom et ma réputation que vous avez sciemment terni, monsieur. Mon nom, vous dis-je. Bah, coulez par tous les saints. C'était Richard Owen. Un être humain aussi vil que méprisable. Vraiment? J'aurais juré que vous étiez mon ami. Monsieur Owen travaille à l'asile. Il saura qui fabrique ce sirop. Attrapez-le.
Ok. Hop là. Défourner sa voiture. Hein. Pas de soucis. Défournons. Voilà. Ah bon, autant pour moi. C'est pas comme ça. Eh mi-temps. Ah non, il est pas parti du mauvais sens. Attends qu'il passe. Voilà. Donc j'ai trouvé. Je me demandais c'est quoi la triche en fait. Maintenant je sais. Et voilà. On détourne. Quoi que Darwin vous paye, c'est trop peu. Vous rendez-vous compte des risques que vous prenez? Quel risque? Vous cherchez à m'intimider, gredin. Vous perdez votre temps. Oh bah t'inquiète. Je me suis toujours demandé jusqu'à quel point cette voiture était résistante. Moi aussi. Je me le demande bien. On va voir ça. Et ça c'est pour toi. Ok, ça marche pas, je pense. Prochain arrêt, la Tamise. Mieux vous parler, vieille chose. Arrêtez, je vous dirai tout ce que je fais. Ah. Le docteur Eliotson, le docteur John Eliotson, c'est lui qui a concocté l'élixir. C'est lui que vous cherchez, pas moi. Par pitié, monsieur, arrêtez cette folie. Alors, était-ce si difficile? Oui. Bon ben parfait. Du coup, on a gagné un schéma de gantelet. Ah, c'est génial. Ah ouais, mais attendez. Attends, j'ai gagné ça. Ah bon. D'accord. Alors. Maintenant, je peux le faire, je pense. Ok, alors au niveau des armes, ça change rien parce que je suis niveau 5, donc j'ai ce qu'il faut. Mais ça, apparemment, je peux le crafter. Donc on va le crafter. Hop, voilà. Tout à fait. Fabriquer, s'en équiper. Hop, c'est parti. Voilà. Alors, au niveau des ceintures, bah, je pense que c'était une ceinture moins bien. Voilà. On s'en fout. Ok, c'est parfait. On va se rendre à l'autre quête, du coup. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Que se passe-t-il, messieurs? Oh, il y a la police! Débrouillez-vous! J'ai pas le temps! Mets-moi en pièce, hein! Non, je me casse! Bon, bah du coup, faut faire quoi là? Parce que là, on a eu nos infos, mais on peut plus rien faire avec. Ok, donc on va devoir changer de perso. Alors, bien évidemment, ah si je peux me TP, d'accord, c'est parfait. Alors, on y va se TP. Une lettre? Pour moi? Lettre pour toi? C'est une lettre pour toi? Hein? Comment va? T'es une lettre où? Bonjour, monsieur Fry.
On récupère les revenus déjà. Alors. On va faire ça. Je sais pas c'est quoi, mais on va le faire. Ces derniers jours, pendant que je faisais mes rondes, j'ai remarqué qu'une petite crapule me suivait. Un type a l'air nerveux. Il mijote quelque chose. Poursuivez vos rondes comme si de rien n'était. S'il se montre, je garderai un œil sur lui. À notre retour, on le fera monter dans le train. Oh, d'accord. Ok, donc faut rejoindre le lieu de rencontre, mais avant. Niveau des armes, non, j'ai pas mieux. Non. On va lui mettre le bon gantelet, elle aussi. Voilà. Pareil, là, elle est en tenue comme ça, pour qu'elle soit, enfin, pour que ça soit plus opti en fait. Donc toujours la tenue qui rend le truc plus opti. Donc rejoindre le lieu de rencontre. Moi je veux bien, mais il est où? C'est ça? Visiter. Bah non, c'est naze. C'est pas ça que je veux faire. Voilà. C'est pas où est le lieu de rencontre. Si, apparemment il est là-bas. Ok, attendez, il est bien loin. Il est bien loin où? Ah là. Apparemment c'est ça, hein. Je rêve pas, hein. Il n'y a qu'un point vert. Bah on va stepper alors, on peut stepper, hein, parce que j'ai pas envie d'attendre d'arriver en train, ça va être long, hein. Non, on peut pas stepper. Allez, monte. Monte ce qui va se passer. Agnès, prends garde. Une bande en a après toi. Pas du tout. C'est qu'un pauvre nigo qui me colle au jupon toute la journée. Tu en es sûre? Sûre et certaine. Je te tiens, petite crapule. On va le filer par au-dessus, hein. Hey, regardez où vous allez. Oh, désolé, miss. C'est madame, espèce d'andouille. Ah, mais il est pas très pro de la filature, lui, hein. Espèce d'idiot. Désolé, mais cette femme appartient à une bande. Une bande? Quelle bande? Je crois que c'est celle du train. Ça doit être les ordures qu'ont battu Kellogg. Alertez les gars sur les toits. On va lui faire la peau. Elle est là! Devant l'abruti qui la suit! Ok. Il y a un tireur là-bas.
se le faire. La voilà! Fuyez-la! Oublie cet idiot qui la suit! Arrête-toi! Attends-moi! Toi là-bas, ne bouge pas. Je me tiens à rien du tout. Hé hey, là-bas, attends. Tu crois que t'as rien à craindre de moi là-bas? Hop là, on voit plus. C'est marrant parce que ça la protège du coup. Hé hey, toi, bouge pas. C'est pas parce que je suis ici que je peux pas venir m'occuper de toi. Ah ouais? Bah vas-y, viens. Regarde, moi je fais ça. Agnès, est-ce que tout va bien? Bien sûr que oui. Pourquoi ça irait pas? Tu as toute une bande à tes trousses. Non, c'est juste un idiot qui arrive même pas à me suivre. Non, ils sont très dangereux. Et s'ils préparaient une embuscade à la gare? Dis pas de bêtises. Il faut que j'arrive à la gare avant Agnès. J'ai pas compris. Donc, la gare, par là-bas. Allons-y. Hop. T'as pas songé à te sauver? Tu devrais. Ah non. J'aille à la gare. Pourquoi je me sauverai? Mon bordel là! J'aimerais bien monter! Hein? Bah je peux pas! C'est quoi cette connerie? Je vais devoir monter par les. Oh c'est chiant! Ah non! Ah oui, attendez. Là, je peux. Ah oui, mais il faut aller. Mais bon, on va faire tout le tour. Hein. On va passer par là, nous. Est-ce qu'on peut, au moins? Voilà. Hop, hop, hop. Il y a des gens à tuer. Il y a des gens à tuer, les loulous. Mais... Oh, c'est marrant qu'ils s'adaptent à mon niveau. Allez là. Ah. Ben reviens. Monsieur qui... Ah non. Bon, on va pas le faire à chaque fois, quoi. Ça, tu bugs, ça, tu bugs pas, mais c'est quelque chose. Voyons.
Voilà. Ah. Je vais redémarrer. Voilà. Voilà qui est fait. Je peux retourner m'occuper de l'homme qui suit Agnès. C'est parti. Moi, je suis sûr que cet homme n'a rien à voir. Qui êtes-vous? Nigel Bumble. Pourquoi tu nous suis? Je veux faire partie de votre bande. Oh, Dieu nous garde. Il sait qui nous sommes maintenant. Très bien, mon gars. Tu peux rester mettre un peu de propre dans le train, si t'as pas peur de te salir les pognes. C'est vrai? Oh, merci. Oh, vous le regretterez pas, miss. Et donc, ah. On dirait que Jacob a reçu du courrier. Bah moi je veux bien reçu du courrier, mais où? Parce que j'ai toujours pas compris. J'ai examiné les descriptions en titre de divers suaires. Je vois que tu t'apprêtes à remettre quelques idées en place avec cette canne. Jacob, tu as du courrier, soi-disant. Débrouille-toi, mais trouve où? Ah. Dans le pétrin. Ah bon, bah faut faire ça aussi, les loulous. Nigel est allé boire avec la bande hier soir. Ils sont tombés sur des Templiers et ils en ont tué un. Mais Nigel était trop saoul pour filer. Et maintenant, la police l'a arrêté pour meurtre. Évidemment. Alors, si la police l'a arrêté pour meurtre. Incroyable! Ah, du coup, ça va être à 800 bornes, non? Attendez. Nigel, t'es où? Evie, je n'aurais pu rêver une meilleure sœur. Ah bon? Bonjour, Miss. Est-ce que je peux sauter comme ça sans mourir? Si. Allez! Ah bah, par l'arrière du train, ça marche! Par l'arrière du train, on ne meurt pas, les loulous. Nice. Incroyable. Tu t'es mis dans un sale pétrin. Allez, à vous. Ça nous fera tous gagner du temps. Mais j'ai rien fait, moi. Je vous le jure. Miss Evie. On était là à boire et je me réveille ici. Ils disent que j'ai tué quelqu'un. Oh, Nigel. J'ai bu un verre de trop et j'ai perdu mes affaires. Elles se sont éparpillées un peu partout. Il y a un couteau. Vous pourriez le retrouver avant la police. Hé, hey, toi! Tais-toi! Je retrouve un couteau. Je vais signaler cette voiture. Il veut signaler sa propre voiture. J'y arrivé là. J'y arrivé les loulous. Ne tuez aucun policier pendant l'enquête. Ok. Alors. Oh purée. Oh purée. Alors là, au milieu, il y a un truc. Mais il va falloir y aller ni vu ni connu. Ah. On pourrait pas faire ça tout simplement et genre se lâcher. Ouh.
temps il m'a vu. Une intruse, attrapez-la. Ah ouais, c'est pas possible là. Ton cul. Si elle est passée ici, elle n'y est plus. Là. J'aurais déjà dû la trouver. Oui. Bon, j'ai un truc à détruire. Vous voulez pas vous barrer là? C'est quoi ces conneries? C'est à croire qu'elle est jamais venue ici. Et pourtant. Oui, je suis jamais venu. Pourquoi je serais venu? Voyons. Ah, c'est ça, les droits. Ok. Mais pas du tout. C'est pas ce que je voulais. Ah bah si, c'est très bien, c'est dans les autres zones. Parce que moi, je voulais rentrer. Hein? Ah, oh, ça siffle, les loulous. Ça va être là. Oh. Fais pas des trucs bizarres. Ah, on peut les assommer, d'accord. Ah, c'est plus simple en assommant les mecs. Hop. Détruis ça. J'ai détruit toutes les preuves, moi, les loups. Ça va être la merde, il va détecter l'autre. Hé mon petit, couché. Non. Laisse-moi tranquille. Détruis ça.
Non, on va prendre le coffre. Cacher le corps. Purée, il y a un corps. Où c'est un corps? Là-bas. Là-bas, il y a un corps. Comment je fais pour ne pas le tuer? Ne m'oblige pas à te chercher, j'ai horreur de ça. Je crois qu'on a un problème. Qu'est-ce qu'elle méchote, celle? Moi, je peux faire ça, remarquez. Pratique. Voilà. C'est marrant, c'est que tout s'adapte à un autre level. Ah, c'est plutôt drôle. Ah, du coup, faut ramasser ce corps. Ah putain. Ah puis, faut le mettre là où il y a l'autre. Ah non, on peut le mettre là-bas. Ok, c'est parfait. C'est super. Je pensais qu'il n'y avait qu'un endroit. On va le cacher là. Très bien. Hop. Ils sont vraiment nuls, hein, la police, hein. C'est plus ce que c'était, hein. Moi qui vous le dis. Et on va parler au chef. Et des barres. Quelle preuve avez-vous contre cet homme? Eh bien... Sergent? Il me semble qu'il vous faut au moins un corps. On a rien trouvé, inspecteur. Encore une affaire bâclée, sergent. Là du coup on va se laisser bon une fois qu'on sera arrivé du coup. On dirait que Jacob a reçu du courrier. Je l'ai déjà dit. Bon alors du coup, est-ce qu'il y a de l'argent? Argent. Ah ouais? Ah ouais. Ça a l'air marrant ça. Ah après. C'est quoi? On va peut-être faire ça en premier quand même. Hein? Niveau séquence quête, niveau 3. Bon, et bien les loups, je vous dis à la prochaine pour la suite. Bye bye!